Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Bible Magazine des éditions Première Partie. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur KTO et sur RCF pour cette grande première, cette toute nouvelle émission, le concert intime. Une émission musicale qui a été rêvée, concoctée, enfantée par un artiste que l'on admire beaucoup, un artiste chrétien, un ami également. Je vous demande d'applaudir très fort Grégory Turpin, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci, bonsoir à tous. Un concert intime, un rendez-vous qu'on aura tous les mois où j'aurai la joie d'inviter un artiste que j'aime beaucoup, que l'on va découvrir dans une ambiance chaleureuse. Voilà, ce soir, je vous propose de découvrir une chanteuse malgache d'origine. Elle a une voix gospel, elle a une voix soul. Elle s'appelle Alexia Rabé. On démarre avec quelques chansons d'Alexia Rabé avec ses musiciens. Je vous demande de l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Montant de la plaine africaine, c'est le chant des pardonnés, noyant la pluie amazonienne, le chant des croyants d'Australie, rempli du divin feu, de toute langue, de tout peuple, de tout pays, un chant cœur joyeux. C'est le chant des rachetés, montant de la plaine africaine. C'est le chant des pardonnés, noyant la pluie amazonienne. Le chant des croyants d'Australie, rempli du divin feu.
toutes les puissances des ténèbres, entendons son ébranler. Car toutes les puissances des ténèbres, confondues restent bouche bée. Entendons son ébranler. Car toutes les puissances des ténèbres, confondues restent bouche bée. Et toutes les puissances des ténèbres, entendons son ébranler. Car toutes les puissances des ténèbres, confondues restent bouche bée. Les enfants de Dieu chantent. Bonsoir, vous allez bien ? Ça va ? Voilà, on va passer un petit moment, entre amis, on va dire ça comme ça. Voilà, donc la musique, c'est pas simplement une passion, c'est pas simplement un certain univers, c'est aussi une manière de partager ce que je crois, qui je suis, ma personne. Je pense que c'est valable aussi pour mes chers compères que vous aurez l'occasion de connaître un petit peu plus tout à l'heure. Ta majesté, ta sainteté nous incite à louer ton nom. Ta vérité, ta loyauté, béni soit ton nom. Ta création, tes décisions démontrent combien tu es bon. Et d'un seul cœur, nous te chantons. Reçois, ô roi, nos cris de joie. Ô béni soit ton nom, ô béni soit ton nom. Reçois, ô Père, notre prière. Ô béni soit ton nom, ô béni soit ton nom. Reçois, ô roi, nos cris de joie. Ô béni soit ton nom, ô béni soit ton nom. Et reçois, ô Père, notre prière. Ô béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Te regarder, te ressembler, oui, sont désormais notre ambition. Parler de toi, de ta beauté. Béni soit ton nom, ta bienveillance et ta puissance sont bien réelles. Et nous verrons tous les bienfaits de ta présence. Yes. Reçois, ô roi, nos cris de joie. Ô béni soit ton nom, ô béni soit ton nom. Reçois, ô Père, notre prière. Ô béni soit ton nom, oui, béni soit ton nom. Reçois, ô roi, nos cris de joie. Ô béni soit ton nom, ô béni soit ton nom. Notre Père qui est dans les cieux, oui, ton nom est beau et glorieux. Reçois nos cœurs et nos pensées, oui, notre amour pour l'éternité. Yeah.
Merci beaucoup. Alors quand on demande qui est Alexia Rabé en termes de style, les gens disent « mais t'as fait du classique, alors est-ce que tu fais du classique ?»« Oui, mais pas que ça. »« Ah d'accord, mais tu fais du gospel ?»« Oui, mais pas que ça. »« Tu fais de la soul ?»« Oui, mais pas que ça. » Mais en parlant de soul, justement, voici une de mes plus belles, plus grandes influences. Je vous laisse découvrir. Was a little nappy-headed girl. Then my only worry was for Christmas, what would be my toy? Even though at sometimes we didn't get a thing, we were happy with the joy the day we breathe. Christmas, what will be my toy? Even though it sometimes we don't get a thing, we were happy with the joy that it would bring. Sneaking at the back door to hang out with us, hung of friends of mine. Grinning at the back door, girl, I told you not to go outside. Trying your best to bring the water in your eyes, thinking it might stop enough from whooping your behind. I wish the stays could come back once more. Why this the stays ever, ever have to go? I wish the stays could come back once more. Why this the stays ever, ever have to go? 'Cause I love them so. Playing doctor with that girl. I already told you not to play doctor with that girl, right? Just don't tell I'd give you anything you want that is worth right away. Mama gives you money for the Sunday school. You treat girls for candies and the church is going through. Smoking cigarettes and writing something nasty on the wall.
send you to the principal's office down the hall. You grew up and learned that kind of thing, right? But what you were doing in it, jumping out of right. I wish this day could come back once more. Why this day could ever have to go? I wish this day could come back once more. Why this day ever have to go? 'Cause I love them so. Merci beaucoup. Comme un enfant tant aimé avant sa naissance par celle qui en son sein porte la vie, ton amour est prélude à la création. Avant mon premier souffle, tu m'as donné ton amour, ton comme un enfant bien aimé, toujours pardonné par son père impatient de son retour. Ta grâce est accordée invariablement. Quand je reviens à toi, tu m'accueilles dans ton âme. Comme un enfant bien aimé, livré à la mort, arraché à son père, le cœur brisé, Jésus-Christ, Fils de Dieu, tu t'es sacrifié pour
pour que je sois sauvée. Tu m'accueilles dans ton amour. Tu t'es donné par amour. Ton amour est insondable, inouï. Ton amour est éternel, infini. Ton amour est insondable, inouï. Ton amour est éternel, infini. Jamais ne s'éteint, jamais ne fuit. Oui, ton amour est fort comme la mort. Il embrasse mon cœur, souffle la vie. Oui, ton amour m'étreint, m'envahit. Jamais ne encore très très fort, Alexia Rabé, sur KTO, sur RCF, dans cette toute nouvelle émission musicale, le concert intime. Merci d'être notre marraine, hein, d'ailleurs, Alexia. Mais, merci d'avoir permis que je suis là. Avec toute cette voix puissante, tout en nuances aussi, ce groupe, on les sent bien, hein, les influences dont parlait Grégory tout à l'heure, soul, jazz, gospel, ça va de Stevie Wonder à Nina Simone, en allant jusqu'à Beyoncé, quoi d'autre encore ? Whitney Houston, Mariah Carey, Toto, grâce à ma mère, je la remercie. Dire Straits. Ouais, c'est vrai que les influences sont vraiment très, très nombreuses. Très large et très éclectique et très bien synthétisée, en tout cas sur scène. Moi, j'avais écouté l'album, dont on parlera tout à l'heure, mais de sentir et de voir les chansons se développer sur scène, c'est très impressionnant. Grâce aussi à l'aide de ces deux messieurs, je voudrais quand même qu'on parle de David et de Mike. Oui, absolument. Donc, c'est les fidèles compagnons, quand même. David et Mike, s'il vous plaît. Tous embarqués un peu dans la même aventure.
Ah oui, alors en fait, depuis les premières productions phonographiques, c'est vrai que les deux ont été embarqués. Je crois que vous aviez déjà même été embarqués avant les histoires de CD. Donc ça fait quand même un petit bout de temps qu'on bourlingue ensemble. Et c'est vrai que c'est assez formidable. Enfin, se dire qu'on forme une bonne équipe, il y a une bonne symbiose, on est d'accord artistiquement, musicalement parlant, et puis dans la manière dont on veut vraiment partager... Religieusement parlant aussi. Mais c'est vrai que dans la manière dont on veut vraiment partager notre musique, c'est vrai que ça fait plaisir. Et il y a des chansons, Mike, il les connaît par cœur. Il n'y a pas un peu Anguille sous roche, là? Il y a même Baleine sous caillou. Non, c'est vrai que la dernière chanson qu'on vient de vous interpréter, Comme un enfant aimé, voilà, j'ai collaboré avec ce cher monsieur qui en a écrit les paroles. Parce qu'il a quand même écrit les paroles de plus de la moitié de l'album, en fait. Ouais. Un album qui est tout en sensibilité, tout en puissance aussi. on va entamer un deuxième set de chansons que tu as organisé comment? Tu peux un peu nous le présenter? Alors, on va entamer ce deuxième set avec une autre chanson de l'album qui s'appelle Assis au bord de l'eau. Toujours écrite par Monsieur Mike. Toujours écrite par Mike, voilà. À la basse. L'idée, en fait, c'est un peu de... Pas simplement d'emmener la personne qui écoute dans notre univers ou dans mon univers, c'est vraiment aussi de pouvoir avoir un dialogue à cœur ouvert et de partager tout simplement, très humblement aussi. Voilà ce qui fait un peu, je dirais, le cœur de notre existence et vraiment ce qui nous prend les tripes, ce qui nous prend les entrailles. Tu parles de partage, tout à l'heure tu vas partager aussi la musique avec Grégory Turpin, ça va être un grand moment. On ne va pas vous dire le titre tout de suite, on va réserver un petit peu de surprise et puis on aura aussi une discussion, tous les trois, un partage aussi autour de ta personnalité, de ta façon d'être chanteuse. Et pour l'instant, on va t'écouter chanter encore. Merci Alexia, on l'applaudit très très fort, ainsi que Mike et David. Viens établir en moi ta demeure.
J'aime souvent dire en concert que, au-delà de ce qui peut nous différencier, s'il y a bien une chose qui en tout cas nous rassemble, c'est ce même vêtement de l'existence humaine. Là-dessus, on est un peu tous égaux. Et j'aime beaucoup imaginer que même si on ne se connaît pas les uns les autres, au final, on forme un peu une sorte de grande chaîne. Alors on soutient, on s'aide. En fait, les uns les autres. Parfois, il suffit pas de grand-chose, un sourire, un regard, une parole, un geste. Alors, c'est ce que je souhaitais partager avec vous ce soir. God knows what is hiding in those weak and drunken hearts. Guess he kissed the girls and made them cry. Those hard-faced queens of misadventures. God knows what is hiding in those weak and sunken lives. Fiery throngs of mutant angels, but getting nothing back. People, help the people. And if you're homesick, give me your hand. I will hold it down. People, help the people. And nothing will drag you down. If I had a brain, I'll be cold as a stone, but rich as a fool that turn all those good hearts away. This world of little consequences, behind the tears, inside the lies. Slowly thousand dying sunsets. God knows what is hiding in those weak and drunken lies. Guess the loneliness came knocking, but no one needs to be alone. People, the people, and if you're homesick, give me your hand, I will hold it down. People, help the people, and nothing will drag you down. If I had a brain, I'll be cold as a stone, but rich as a fool that turned all those good hearts away. Yeah.
I'll be cold as a stone, but rich as a fool that turn all those good hearts away. Alors, tout à l'heure, on parlait d'influence, donc pop, vous l'avez compris, classique, vous l'avez compris, soul, vous l'avez compris, jazz, peut-être pas encore. Nobody knows that well I see. Nobody knows but Jesus. Nobody knows the trouble of now I sing glory, hallelujah. Ooh, yeah. Nobody knows the trouble I've seen. No. Nobody knows but Jesus. Nobody knows the trouble I see. Glory, hallelujah. Sometimes I'm up, sometimes I'm down. Oh, yes, Lord. Sometimes I'm almost to the ground. Oh, yes, Lord. Although you see me going so long, but yes, Lord, I have my trials here below. Oh, yes, Lord. Nobody knows the trouble I see. Nobody knows but Jesus. Nobody knows the trouble I see. Glory, hallelujah. If you go there before I go, oh yes, Lord. To all my friends, I'm coming to you. Oh, oh, oh yes, Lord. Although you see me going too long, oh yes, Lord. My trials here below, oh yes, Lord. Nobody knows the trouble I see. Nobody knows but Jesus. Nobody knows the trouble I see. Glory, hallelujah. Yeah. Come on, come on. Nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows but Jesus. Nobody knows the trouble I've seen. Glory, hallelujah. Nobody knows the trouble I see.
Vous êtes sur KTO, vous êtes sur RCF avec Alexia Rabé dans le concert intime. Merci Alexia pour ce concert. J'ai particulièrement aimé la puissance de ta voix et en même temps tu nous délivres quelque chose avec beaucoup d'émotion. Il y a beaucoup de relief dans ta voix. Tu en fais jamais trop et tu fais juste passer ce qu'il faut. Et c'est ce que j'aime chez toi. Donc merci pour ce concert que tu nous as donné. Avec grand plaisir, avec très grand plaisir. Cette puissance et cette douceur, moi je l'avais déjà entendue en 2013 dans une émission sur TF1 qui s'appelle The Voice. Si vous avez l'impression de connaître déjà Alexia, c'était là. Et j'ai suivi toute ton aventure dans The Voice. C'était assez incroyable. T'es allée assez loin en plus dans un système très TF1. Très, très grosse machine, très grosse production, et tu as réussi à défendre ton identité. Je ne sais pas comment tu avais vécu cette aventure, toi, Grégory. Oui, moi, c'est là que je t'ai découvert aussi. Mais justement, j'avais une question, parce que là, l'avantage dans cette émission, c'est qu'on t'a laissé une totale carte blanche sur ton répertoire. C'est vrai que The Voice, c'est une autre, une autre machine. Comment on arrive à rester authentique, comme tu l'as été ce soir ? Et interpréter parfois des titres que tu n'as peut-être pas toujours choisis. Comment tu fais pour rester authentique et qu'est-ce que tu as voulu donner en passant dans The Voice ? En fait, je pense qu'au travers de ce genre de concept, ce genre d'émission, on ne se rend pas vraiment compte véritablement de si on est authentique ou pas. On se dit qu'on a déjà beaucoup de pression, on a beaucoup de stress, beaucoup de fatigue, on doit s'occuper de tout un tas de choses, évidemment, de directives qui nous sont données. Donc c'est vrai que c'est très très difficile d'avoir vraiment un recul sur tout ce qui se passe, à la fois de savoir qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de tout ça, d'avoir un recul sur la manière dont se déroulent les choses, puisqu'effectivement, bon, les morceaux, on ne les choisit pas forcément, les tenues, on les choisit pas forcément. La seule chose qu'on peut choisir, c'est choisir de rester quand on nous permet justement d'aller un peu plus loin dans l'émission. Moi, je sais que ce qui m'a particulièrement aidée, c'est le fait d'être vraiment bien entourée. Et je pense que dans ce type d'environnement, et pas simplement le fait de passer à la télé, mais je pense que quand on est vraiment dans un environnement comme ça, où quelqu'un comme moi, en plus, qui débarquait, qui connaissait rien au gros business de la musique, enfin, en tout cas vraiment l'industrie du gros disque comme ça, le fait d'être bien entouré, d'avoir des personnes qui étaient capables de me dire les choses en face, tout simplement. Me dire, écoute, voilà, là, faut pas trop t'en faire, là, c'est pas grave, tu vas pleurer pendant 4 jours, et puis après, tu vas te relever, t'as tes projets à faire. Ce qui était vrai. Et en même temps, ces mêmes personnes qui étaient là pour m'encourager, donc ce ne sont pas forcément pas juste les personnes qui m'ont accompagnée sur le plateau, mais aussi tout un tas de personnes vraiment derrière, en coulisses, si on peut dire ça comme ça. Moi, je sais que c'est vraiment ce qui m'a permis de rester authentique, comme tu le dis, de pas trop tout remettre en question. Parce que je crois que c'est aussi très, très difficile de ne pas tout remettre en question. De ne pas se faire avaler par la machine. Exactement. Finalement. Mais alors, aussi bien les téléspectateurs de KTO que les auditeurs de RCF doivent se poser la même question que moi. Moi aussi, j'ai démarré le piano à 6 ans, ça n'a pas donné ça. Hein. Moi aussi, j'ai fait du chant lyrique à 13 ans, ça n'a pas donné ça non plus. Mais toi, tout à l'heure, tu as précisé qu'elle était malgache. Mais c'est super important parce qu'on peut dire que les malgaches sont quasiment tous des musiciens, ne serait-ce parce que la langue a un certain tempo, un certain rythme. Et en plus, toi, tes parents sont musiciens. Papa accordéon, maman chanteuse. Enfin, t'es née dedans, on va dire ça comme ça. Oui, je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite. C'est vrai que la culture malgache est une culture extrêmement musicale. La musique accompagne tous les moments de la vie, la naissance, les fiançailles, le mariage, même la mort et même après. Donc c'est vrai que j'ai grandi dans un environnement où la musique et particulièrement les instruments à cordes et la voix, donc le piano, l'orgue, le clavecin aussi pour certains, étaient très présents en fait dans mon environnement. Donc je pense que ça allait un peu de soi en fait que le fait que je fasse de la musique, qu'on apprenne la musique étant tout petit déjà. Justement après The Voice, tu nous proposes aussi un album. Qui est ce Dieu ? Est-ce que c'est pas surprenant ? Est-ce que tu t'attendais aussi à ce que ceux qui t'ont suivi dans cette émission te suivent vraiment ? Enfin, qu'est-ce que tu voulais dire à travers cet album « Qui est ce Dieu ?» dont on a entendu quelques chansons ce soir ? Alors c'est vrai que la question de savoir si j'allais sortir un album ou pas, bon, la question était déjà pendante depuis pas mal de temps avant The Voice. C'est vrai que The Voice a été un peu le gros déclencheur en fait. Ça a servi de booster et de motivateur.
La question de savoir effectivement si je faisais un album plutôt très grand public avec peut-être des textes un peu plus neutres, si je peux dire ça comme ça, ou alors m'engager dans une musique où je partage de manière plus évidente et plus explicite aussi ma foi. Je me suis dit qu'au final, ma foi, elle fait partie de qui je suis, de mon identité. Elle fait la personne que je suis aujourd'hui, y compris la personne que les gens ont vue à la télé. Donc, je pense que fondamentalement, je peux la partager avec quiconque, en fait. Surtout que tu la partages tous les dimanches à l'église américaine de Paris, parce que tu fais partie de l'équipe d'animation. Tu as déjà une vraie expérience d'animation, de chant de louange. Donc, on est avec quelqu'un qui, finalement, me semble-t-il, Grégory, est très aligné avec elle-même. C'est assez remarquable dans ce milieu de la musique. C'est vrai que je pense que c'est un choix aussi. Moi, le fait d'avoir pu bénéficier d'une visibilité, notamment auprès des communautés chrétiennes en France, surtout par le biais des médias, de la presse, Internet, la radio, la TV, pour moi, disons que c'était aussi une manière d'être reconnaissante, en fait, d'avoir permis le fait de pouvoir être aussi bien exposée. Et quand je dis belle exposition, c'est dans le sens où, effectivement, moi, j'ai beaucoup de plaisir à partager ce qui m'anime, ce qui me motive, ce qui fait que je suis heureuse de me lever le matin. Ouais. Et chanter chez les protestants, qui est le culte auquel tu appartiens, c'est presque évangéliser. C'est pratiquement à part égale avec la parole du pasteur. On parle même de ministère de la louange, enfin, y a quelque chose de très fort chez les protestants. Oui, c'est vrai que la musique y a une part très importante. Luther, mais déjà d'autres personnes avant lui, disaient « celui qui chante prie deux fois ». Donc c'est vrai que oui, la musique a une place très importante, en tout cas dans nos cultes, dans nos offices religieux. C'est vrai qu'on chante beaucoup, alors bon, suivant les tendances, mais c'est vrai que moi, j'ai grandi dans un milieu où ça chante, où ça danse, voilà, ça fait du bruit, ça, et en même temps, ça se recueille, où la musique vraiment accompagne, en fait, tous les moments de spiritualité, que ce soit en solo ou en communauté. Jusqu'au jour où ça prend tellement de place, qu'on abandonne son métier de juriste, qu'on pratique depuis quelques années, qui doit être assez rémunérateur, j'imagine, et qu'on prend le risque de se dire, maintenant, c'est 2010, c'est la musique. C'est quand même un passage important. La vie est faite de choix, comme ça, de tournants. La vie est faite de choix, la vie est faite de circonstances, la vie est faite d'opportunités. Je pense que c'est... C'est vrai que j'étais dans un environnement professionnel stable, confortable. Mais c'est un milieu que j'aimais beaucoup aussi. Hein. J'ai eu la chance de travailler avec de très, très bonnes et très belles personnes. Je pense qu'à un moment donné, on se dit, on se lance un petit défi. Et ma foi, si ça marche, tant mieux. Puis si ça marche pas, il y a toujours moyen de retomber sur ses pattes. Enfin là, ça marche tellement bien qu'il y a tout un tas de dates, toute une tournée. Oui, tu veux partir en tournée un peu partout en France? Oui, à partir de la rentrée 2015, à partir de maintenant, en fait, c'est vrai que je vais beaucoup tourner en Suisse, à Genève, à Lausanne, à Marseille, à Pau, à Strasbourg, à Nantes, à Paris aussi. Donc on va faire à Clermont-Ferrand. On va faire un petit tour, ouais. En tout cas, ceux qui veulent te découvrir, et je crois qu'on découvre vraiment un artiste quand il est sur scène. Il y a une adresse, un site internet, alexiarabé.com, où on peut trouver toutes ces dates, et on peut aussi trouver ton album, qui est très beau et que je conseille, et qui, en plus, il faut non seulement s'acheter, mais aussi offrir, parce que c'est un beau cadeau. Absolument, c'est un très beau cadeau à faire. Moi, je pense que c'est bien de nous faire des cadeaux. Alors là, ils commencent à comprendre de quoi je parle, tous les deux. Vous savez quoi, messieurs, dames? Je vais vous envoyer sur scène, et vous allez peut-être nous faire un dernier cadeau pour cette émission. Avec plaisir. Avec plaisir. On les applaudit, s'il vous plaît. Alexia Rabé, Grégory Turpin. Alors, on a choisi pour vous la chanson Amazing Grace, parce qu'on a parlé de gospel. Amazing Grace, vous allez voir, Alexia va nous chanter quelques paroles de la traduction en français. Et c'est une chanson que tout le monde connaît, et pourtant, on passe souvent à côté de ces paroles qui sont fortes et qu'on va essayer de vous interpréter.
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I found, was blind, but now I see. Grâce infinie qui vint sauver un pécheur tel que moi. J'étais perdu, il m'a trouvé. J'étais aveugle, je vois, il me libère, brise mes chaînes. Mon Dieu, mon Sauveur, paya le prix. Toujours nouvelle, sa bonté règne. Amour infinie. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Applaudis Alexia Rabé, s'il vous plaît. Et Grégory Turpin. Merci. Merci à toi d'être venu. C'était le concert intime d'Alexia Rabé. Merci d'avoir été notre
première invitée. Notre bonne marraine. Oui. J'espère qu'il y aura d'autres émissions longtemps. En tout cas, il y a d'autres dates pour Alexia. Il y a son album sur Exactement. Le site internet d'Alexia Rabé. Surtout, ne la manquez pas. Vous voyez que sur scène, c'est quand même un phénomène. Merci beaucoup. Merci aux auditeurs d'RCF, aux téléspectateurs de KTO. Et on vous dit à très bientôt pour un prochain concert intime. Merci. Merci. Cette émission vous a été présentée en partenariat avec la Bible Magazine des éditions Première Partie.